Salut! Bienvenue dans un épisode un peu spécial avec les compléments des French Clips que j'ai fait dans la buanderie. Alors c'est un épisode un peu dur à monter parce que la rentrée des classes, la rentrée tout court, a été un peu chaotique et j'ai pas eu le temps de m'occuper de vous faire des films aussi intensément que j'aurais aimé. Et bon, bah, on va rattraper le coup, on va faire ça, il y a d'autres éléments et on va y aller par étapes. Et on rembobine, on repart à zéro et on va faire des éléments, plusieurs éléments pour les French Clips. Allez, en avant! Thank you.
Allez, comme pour le reste de la buanderie, c'est parti pour un peu de Rubio. Rubio monocoque transparent, tout seul, sans rien du tout, sans accélérateur, sans rien, sur le mélèze, le valchromate et cette boîte en valchromate. Vous verrez, ça donne tout de suite autre chose et ça sera protégé. Thank you.
moitié de la finition, ça va être du rubio, mais je ne sais pas encore si je fais du soupçon de blanc, du bleu ou de l'ébène, comme j'ai fait sur le plancher. Donc je vais faire un essai sur un petit bout que j'ai poncé de la même façon. Pour essayer de voir la finition que je vais donner. Donc le soupçon de blanc préserve la teinte naturelle du bois. Le bleu, on va faire une finition schtroumpf. Et la finition ébène. Et ben, je crois que je vais partir avec la finition schtroumpf. Ça va apporter encore un peu de couleur et ça va contraster avec le orange de la buanderie. Alors j'ai appris à me méfier des pigments de chez Rubio parce qu'ils sont tenaces. Hein. Quand j'avais fait le plancher en bois couleur ébène, j'ai gardé les traces pendant 15 jours hein, sur les doigts et sur les genoux. Vous avez parlé du fait que je voulais fabriquer un truc pour supporter les parapluies et en fait je l'ai trouvé, il est tout fait. Il est un petit peu rouillé, alors je vais le dérouiller vite fait avec de l'acide phosphorique. C'est un acide qui s'attaque uniquement à l'oxyde de fer, enfin ça s'attaque à beaucoup de choses, mais à l'oxyde de fer sans s'attaquer au fer lui-même. Donc ça se dilue à en gros 10%. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau et pas beaucoup d'acide. Et vous allez voir que et voilà, il n'y a qu'à laisser agir et de revenir dans une heure ou deux et ça sera tout prêt. Il n'y aura plus qu'à essuyer. Et voilà, ça fait une heure et demie que ça agit. Et vous voyez que la rouille a presque quasiment disparu, sans avoir d'effet brossé. Et il n'y a plus qu'à rincer. Alors l'acide phosphorique a l'avantage d'avoir un effet phosphatant, c'est-à-dire qu'il va empêcher la rouille de revenir. Voilà, on arrive au terme du deuxième film de fabrication d'éléments pour mes French Clits. Merci d'avoir regardé, merci à vous d'être si fidèles. Je voulais remercier aussi Rubio Monocoat pour avoir joué le jeu avec moi avec la fourniture d'huile pour les finitions. Merci à eux, c'est vraiment formidable. Et j'ajoute que si vous avez des besoins en matière d'huile Rubio, je vous conseille de passer par le site Rubio, htrubio.fr. Et vous bénéficiez en utilisant le code VERDIER d'une remise de 5% à partir de 75€ d'achat. Je voulais remercier aussi mes nombreux Patreons et tipeurs
qui peu à peu amasse une cagnotte pour l'achat d'optique. Ça commence à être impressionnant, on est déjà autour de 900 euros. C'est vraiment formidable. Alors, assez bientôt, peut-être à la fin du mois de septembre, je pourrai me payer la première optique, c'est-à-dire le 8-18. Et merci à vous, c'est vraiment touchant et c'est vraiment super. Je vous mets le début du générique parce que ça va durer pendant un moment. Et à très bientôt pour de nouveaux films. Allez, ciao !